On rentre dans l'intimité de l'atelier de Marie-Angèle Castillo. Bonsoir à Marie-Angèle. Bonsoir. Nous sommes dans ton atelier à Étampes, dans ton intimité. Oui. Tu veux nous raconter un peu ta démarche artistique, comment tu te prends pour démarrer une œuvre? Pour démarrer une œuvre, ben d'abord c'est, je pense, une, je sais pas, une sorte de sensation, quelque chose qui nous émeut. Alors ça peut être une impression un peu abstraite, une lumière qui se, enfin, qu'on observe sur des fleurs, enfin, en l'occurrence là par exemple sur des fleurs. Et puis de se dire que ben, le sujet est extrêmement impressionnant. Et d'essayer en fait de, avec ce qu'on a en notre possession, hein, des couleurs, des lignes, d'essayer d'en rendre compte, d'en faire une interprétation et de le mettre sur la toile et de le donner à voir aux autres, enfin à soi-même d'abord et aux autres, sachant qu'à partir du moment, enfin moi j'ai cette impression qu'à partir du moment où, où la chose est faite sur la toile, par certains côtés ça ne nous appartient plus, puisqu'après quand on les expose, enfin les personnes aussi vont recevoir ce travail de façon différente. Donc nous on a peut-être une intention, pas toujours mais parfois. Et puis bon, alors après, des fois, les gens, quand on parle avec eux lors des expos, on se rend compte qu'eux, ils y voient vraiment autre chose. Enfin,
ou ils en ressentent autre chose, mais en fait je pense que c'est pas très grave. C'est peut-être aussi que dans les tableaux, il y a une sorte de lecture un peu universelle. Enfin, dans l'art en général, je trouve que c'est important que, enfin, que ça puisse être à la portée de tout le monde, en fait, même de gens qui n'auraient aucune culture artistique. Et du coup, enfin, moi, ça me tient un peu à cœur que ça puisse être partagé avec des gens très différents, et puis que ça leur apporte du bonheur. Alors bon, c'est pas le côté niais non plus de se dire j'expose une toile et tout le monde trouve ça beau, parce que c'est pas toujours comme ça, mais que ça les touche quelque part en fait, hein. Qu'on ait l'impression d'être pas forcément compris, parce que c'est pareil, ça n'a pas trop d'importance ça, mais en fait entrevue, enfin quelque chose, que ça dise quelque chose, que ça donne un sens. Pour la personne qui regarde la toile, que ça leur apporte quelque chose en fait. Mais au départ, c'est d'abord une espèce de nécessité impérieuse en fait, hein, de devoir peindre. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est d'abord pour soi. Parce que le terme est un peu fort, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, le fait de peindre, ça rend vraiment la vie supportable. La vie, le monde, supportable. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je n'avais pas peint. Mais ça donne de l'intérêt aussi aux choses. C'est une nécessité en soi. C'est une nécessité, oui, oui. C'est de l'ordre de la nécessité, de l'urgence même, parfois. Et cette nécessité, elle est née quand ? Ben, elle est née, je pense que depuis que je me souviens, moi j'ai toujours dessiné. En fait, au départ, dessiner, et puis j'avais envie de faire quelque chose, tu vois, où je créais, je ne le disais pas comme ça, parce que quand t'es gamin, tu dis pas je vais créer, mais de faire quelque chose qui vienne de moi, j'avais besoin de ça. De faire quelque chose, ou peut-être que c'est juste faire quelque chose de sa vie aussi, hein, d'un certain côté, mais je pense qu'on se le dit pas, tu vois, c'est pas conscient en fait, hein. C'est au fil du temps qu'on se rend compte que, bah oui, que en fait ça donne un sens à sa vie, et que c'est vraiment une nécessité d'être avec la matière, c'est une aventure de couleur, de quand on peint, le temps, enfin, tu vois, le temps s'arrête aussi. On a un peu ce pouvoir, hein, d'arrêter un peu le temps sur la toile. C'est une transcendance ? Et c'est une façon, oui, de transcender les choses, bien entendu. Oui, oui. De transcender des fois des choses, des événements. Après, par exemple, dans le cadre d'un autoportrait, effectivement, c'est vraiment d'introspection qu'il s'agit. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est pas je me dis je me peins, tiens je vais me peindre belle, enfin tu vois, c'est de me dire aller plus loin, mais peut-être au plus bas de soi-même, même au plus moche de soi-même, quelque part aussi. Et de se regarder, mais pas de se regarder juste physiquement, hein, c'est pour ça que je te disais, c'est plus une introspection. Et donc effectivement, après, ce qui se passe sur la toile, les couleurs que tu vas mettre, tu vois, cette impression que va dégager l'autoportrait, je pense que c'est de façon inconsciente aussi qu'on choisit les couleurs, suivant l'état, enfin le moment où on fait l'autoportrait. Moi, j'aime bien les faire assez vite parce que je pense qu'on change très vite, hein. Enfin, même dans une journée. Et du coup, le fait de les faire rapidement... fait que tu laisses une espèce de trace, mais pour toi-même aussi, de ce temps qui passe et qui est angoissant pour tout le monde. Mais là, en fait, on va l'arrêter, on a ce pouvoir un peu quand même.